Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour calmer mes chevaux quand ils sont énervés en utilisant des techniques d'hypnose. La première étape, c'est que je me mette moi-même en état hypnotique. Donc, le premier état hypnotique, c'est l'état alpha. Donc, je me concentre, je fais un ancrage avec mes doigts de la main gauche puisque j'ai créé cet ancrage. Et quand je le fais, je tombe directement en état hypnotique alpha. Ensuite, vous voyez que ma jument est énervée par les mouches, donc ça tombe bien. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle me regarde dans les yeux avec son œil gauche. Et je mets mes yeux au-dessus de l'horizontale. Ensuite, je teste si ma jument réagit à des mouvements de la main. Mais en fait, ces mouvements de la main ne sont pas très bien faits. Donc là, on voit que la jument ne réagit plus. Voilà, parce qu'on peut faire des passes. On va le voir avec mon autre jument qui, elle, est piquée par un ton sur le dos, sur la croupe. Donc je fais la même chose, je lui demande de me regarder dans les yeux avec son œil gauche. Donc vous allez voir qu'elle réagit au ton, elle va mettre des petits coups de cul, voilà, parce que le ton la pique et ça lui fait mal. Mais progressivement, elle va se calmer et elle va se poser et s'endormir. Là, je suis un peu gêné par l'écrin dans les yeux. Je vois plus trop son œil, donc je vais les dégager. Le but, c'est que je ne cligne pas des yeux et que ma jument, elle, cligne des yeux avant moi. Donc là, on la voit cligner des yeux, donc ça prouve que c'est moi qui ai le dessus sur elle psychologiquement, puisque mes yeux restent ouverts et les siens s'agite. Et comme elle cligne des yeux assez rapidement, ça prouve qu'elle rentre dans un état hypnotique. Donc je continue et là, je vais lâcher la longe. Normalement, elle ne doit plus bouger. Voilà. Et je vais tester avec mes mains. Donc je fais des passes sur le nez et après je vais les faire sur les yeux. Là, elle m'échappe parce que j'ai remonté mes mains avec les doigts ouverts au lieu de les remonter avec les doigts fermés. Donc la jument s'est réveillée et je vais la rendormir et je vais recommencer. Donc normalement, quand on remonte les mains, il faut fermer les poings. Voilà. Et là, la jument ne réagit plus à mes gestes sur les yeux. C'est une technique que tout le monde peut faire en fait, c'est pas du tout compliqué et ça permet de calmer les chevaux, de les mettre zen et de se connecter à eux quand on est à pied et ensuite quand on va les monter, on les aura dans une attitude bien plus agréable, bien plus décontractée. Donc je vous conseille vraiment de faire cette technique.